exceptionnel de Cayenne ce matin, suite à la plainte déposée par le mouvement Walvari pour les propos racistes qu'avait tenu une de ses candidates aux dernières municipales. Le 17 octobre dernier, Anne-Sophie Leclerc avait publié un photomontage de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, à côté de Singe. Compte rendu d'audience avec José Charles Nicolas et Claude Diani. Malgré une requête en récusation présentée à son encontre par le Front National, le juge Stéphane Rémy présidait bien cette audience. La requête déposée par le mouvement Walvari et elle était déclarée recevable, place au grand témoin de ce procès, Lydie Choukoutou, Jean-Claude William et surtout Garcin Malsa, le président du mouvement international pour les réparations, d'avoir ces mots à travers l'intégrité physique de Christiane Taubira menacée, c'est moi et c'est vous qui sommes menacés, avant de parler de procès historique. C'est un procès historique parce qu'il s'agit ici en Guyane, sur cette terre d'Amérique, là où a eu lieu le plus grand crime contre l'humanité, mis en place par tous ceux qui aujourd'hui continuent de défendre les thèses de Gobineau, les thèses du Front National, de non seulement de les dénoncer, mais de faire en sorte que nous arrivions à dire qu'il faut mener un combat pour éradiquer le racisme d'où qu'il vienne, qu'il s'agisse du racisme antisémite ou du racisme négrophobe. Une audience marquée par l'absence de la principale intéressée, Anne-Sophie Leclerc. Des débats cependant émaillés de référence à la notion d'injure raciste et d'incitation à la haine raciale. Ce qui est très préoccupant, c'est que maintenant on considère que l'idée raciste est une idée comme les autres. C'est pas vrai. C'est pas du tout une idée comme les autres. C'est une idée qui gangrène la haine, qui témoigne de la haine, qui témoigne de l'idée qu'il y a des hommes supérieurs aux autres. Par conséquent, c'est une idée complètement anti-républicaine. Et par conséquent, il faut la combattre avec la dernière énergie. Pas d'examen de fond de ce dossier, mais des plaidoiries vibrantes contre une certaine idéologie véhiculée par le Front National. La citation directe a visé non seulement Anne-Sophie Leclerc, donc militante du Front National, mais nous avons également cité directement le Front National devant le tribunal correctionnel en qualité de complice des faits, commis par Anne-Sophie Leclerc. Donc il est vraiment parti au procès. Lorsqu'on est raciste, on ne s'attaque pas à une personne en particulier, on s'attaque à un groupe d'hommes, à une race tout entière. Rappelons Hitler est devenu chancelier du Reich le 30 janvier 1933 de façon tout à fait démocratique. Et on voit ce que ça a donné. Plus de 4 heures de débat pour une mise en délibéré de cette affaire au 15 juillet prochain.